qui toi? Tu es des combattants. Elle traverse les rails. Mais toi, viens, 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 viens. Allez, cassez-vous. Faut que tu fasses ce que tu veux. Dis-le. Je fais ce que je veux. Vic. Vic comme victoire. Là, je me suis arrêtée et je vous ai regardé. Vous étiez belle. Et je me suis dit que ce moment, il était parfait. Et que je n'oublierai jamais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on change un peu. On ne va pas parler de livres, mais on va parler de films. Mais avant, je tenais à vous remercier tous. On a été primés aux TG Awards et ça, c'est grâce à vous. Donc j'ai été voir pour vous « Bande de filles » de Céline Sciamma avec la très jolie Khadija Touré dans le rôle principal, donc Mariem. Le rôle principal justement, Mariem, aussi appelée Vic comme Victoire, une jeune noire de banlieue comme beaucoup d'autres qui vit dans une cité comme beaucoup d'autres. Donc je vous lis le synopsis pour vous faire un résumé objectif du film. Mariem vit ses 16 ans comme une succession d'interdits, la censure du quartier, la loi des garçons, l'impasse de l'école. Sa rencontre avec trois filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles rient de tout. Mariem devient Vic et entre dans la bande pour vivre sa jeunesse. Donc, pour résumer ce film, et ce que j'en ai retenu, c'est que Mariem intègre sa bande de filles après un échec scolaire. Donc, elle a redoublé sa troisième. Et en fait, il y a un rendez-vous avec la conseillère d'orientation, une scène qui dure quelques minutes, pendant laquelle la conseillère d'orientation lui conseille de s'orienter vers un CAP, plutôt que d'aller en seconde générale, comme elle souhaite le faire. Donc Mariem, justement, ne veut pas, donc elle quitte l'école en furie, et c'est là qu'elle rencontre sa bande de filles. Je note aussi qu'elle bascule du côté obscur de la force, si on peut le dire ainsi, lorsqu'elle troque ses tresses contre un tissage 47 pouces, qu'elle achève sa transformation, en fait, lors d'un combat de rue. Donc là, ça y est, elle est devenue la fille de rue par excellence. Qu'elle a un père très absent, on l'entend, on ne le voit pas. Elle a un frère, du coup, qui prend le rôle de la figure paternelle. Il est violent, dealer, ne la respecte pas, il la bat à plusieurs reprises, et en fait, il finira par la respecter que lorsqu'elle gagnera un combat de rue. Sa mère, femme de ménage à la défense, n'est pas beaucoup plus présente que le père. Alors effectivement, elle et ses copines sont très bruyantes. D'ailleurs, il y a cette scène dans le métro où elles écoutent de la musique super fort. On l'a tous vécu et on déteste tout ça, je pense. Ou encore cette scène où la bande de Vic se dispute, en fait, elle est sur un quai de métro et l'autre bande est sur l'autre quai, et elle se dispute, voilà, à travers le quai, donc pareil, elle monte dans le métro et continue à se disputer. Cette scène, j'ai retenu des aboiements. Voilà, j'ai rien compris, c'était ça. D'ailleurs, la bande d'héroïnes aime ça, se disputer, elle se dispute dans un grec aussi avec une autre bande de filles. Le grec, d'ailleurs, qui est leur restaurant préféré, puisque ce sont des banlieusards. Elles se battent dans des combats de rue qui sont filmés. D'ailleurs, une des amies de Mariem va perdre un combat et ça va la détruire. Son père va lui confisquer son tissage suite à ce combat. Vic finit par fuguer de chez elle, devenir dealer et vivra avec une prostituée parce que son frère va découvrir qu'elle aura couché avec un garçon. Donc tout ça sur un vague fond d'amitié, une histoire d'amour avec un ami du frère, d'ailleurs, à cause de quoi elle va être répudiée de sa famille. Alors oui, il y a quand même du positif hein, dans ce film. Par exemple, la relation que Mariem entretient avec sa petite sœur, qu'elle essaie de protéger, et d'ailleurs qu'elle empêchera de tomber dans une spirale de la violence et de la délinquance, etc. Mais en fait, il y a tellement de stéréotypes, tellement de points négatifs, que le positif, personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc en tant que jeune fille noire de banlieue, je ne me suis absolument pas reconnue dans ce film. Enfin, j'ai eu une bande de copines, on est une bande de filles, on vit en banlieue, on est noire, mais tous ces clichés qui sont véhiculés par ce film, je n'y réponds absolument pas, désolée. J'ai pas saisi l'objectif de ce film, de la réalisatrice,
Est-ce que montrer la communauté noire sous un angle négatif, c'est branché, ça fait vendre? On se souvient tous du film Think Like a Man qui n'avait pas été diffusé en France, alors qu'il a eu énormément de succès aux États-Unis, parce que jugé trop communautariste. Pourtant, le film Bande de filles, c'est tout sauf United Colors of Benetton. On en tirera les conséquences. Donc, en fait, ce film, j'ai trouvé qu'il ressemblait un peu au fantasme du Parisien de base sur ce à quoi ressemble la banlieusarde. Et encore plus lorsque Mariam va livrer de la drogue dans une soirée parisienne très, comment dire, caucasienne. Donc, désolé, messieurs, dames, mais les jeunes filles noires de banlieue ne sont pas toutes comme Mariam et ses copines, loin de là. Donc, ce film, je vous le conseille si vous avez du temps et de l'argent à perdre, si vous voulez faire monter votre tension, sinon, passez votre chemin. Pour ma part, je le considère comme un viol auditif et visuel.